رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم Chers frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir pour accomplir la salatul isha. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que annoncer la bonne nouvelle d'une lumière parfaite le jour du qiyama aux gens qui viennent à la salat de l'obscurité. Les ulama nous disent l'obscurité, salatul isha, salatul fajr. Et lorsqu'on recoupe avec un autre hadith, ce sont les deux salats qui sont les plus lourds, qui étaient les plus lourds pour les hypocrites à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc bonne nouvelle à vous, bonne nouvelle à tous qui sont venus pour la salatul isha, pour accomplir cette salat, qu'Allah nous accorde cette lumière parfaite le jour du qiyama. Aujourd'hui commence donc cette série de 7 rendez-vous pour être prêt, inshallah, pour le mois de Ramadan. Pourquoi avoir choisi 7? Pourquoi avoir commencé là et non pas comme d'habitude au début du mois de Ramadan? Parce que lorsqu'on commence au début du mois de Ramadan, chacun y connaît, moi-même en premier, que le moteur il commence à tourner vraiment environ du 15-20 Ramadan, hein, le moteur commence à chauffer et là on se sent un peu dans le bain et là on a envie de faire tikaf, là on a envie de lire Coran, mais c'est jamais trop tard, hein, mais c'est déjà 15 jours, 20 jours de perdu, ou en tout cas 20 jours on n'a pas profité comme il le faut. C'est pour cela, Inch'Allah, aujourd'hui on commence, et vous avez certainement vu le thème qui était affiché, on commence par le commencement, on commence par le début. On commence par le premier pas vers Allah, vers la corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend, et c'est cette corde-là s'appelle le tawbah. Dans le Coran, Allah dit « At-ta'iboun, al-abidoun, al-hamidoun ». C'est les qualités des croyants. Mais la première qualité, c'est quoi? Tawbah. On fait tawbah, on revient vers Allah. Tawbah, c'est quoi? C'est le retour vers Allah. Ça veut dire qu'après toutes les péripéties de ce monde, qu'après tous les travers à droite et à gauche, qu'après tous les péchés qu'on a fait, toutes les erreurs et les faiblesses qu'on a pu commises, bien, dont on a été victime aussi parfois, hein, parce qu'on est victime aussi parfois, parfois on est coupable, parfois on est victime. Après tout cela, on se dit qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc aujourd'hui avec toutes, on va dire, les techniques de communication que les gens nous montrent, hein, que vous savez certainement mieux que moi, on a besoin de mots clés, on a besoin de mots qui nous parlent. Alors, on a essayé de trouver 3 mots, d'accord, 3 mots qui vont nous servir de base pour Tawbah. Donc, 3 mots se résument, on va dire, on a résumé ça en un mot que vous savez très bien, le CAP. Tout le monde dit CAP, CAP, Bada, ça. CAP, facile, pas Bada, est facile. Facile d'avoir CAP. D'accord? Mais Tawbah se résume à CAP. Donc ça veut dire que pour faire Tawbah, mais c'est facile. CAP, C pour la conscience. A pour l'action. P pour la protection. Tawbah se résume à ces 3 choses. La conscience, qu'Allah nous voit, la conscience qu'on doit mourir, la conscience qu'on doit se présenter devant Allah, la conscience qu'on aura à rendre des comptes, la conscience. L'action, ben l'action c'est Tawbah. L'action, il n'y a pas d'autre action que Tawbah. Il n'y a pas d'autre action que de revenir vers Allah, de pleurer et de se dire que oh Allah, j'ai péché et je ne sais pas comment faire. Et oh Allah, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en toi. Et la protection, c'est ce qu'on appelle les garde-fous. Quelqu'un qui a été cambriolé une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, je suis sûr, hein, chacun de vous va penser la même chose, il va changer la serrure de sa maison, de son magasin. Première chose, d'accord. Même s'il n'a pas été cambriolé par la serrure, mais il va trouver le moyen de
changer la serrure. S'il a été cambriolé une deuxième fois, il va trouver une alarme électronique. Troisième fois, il va chercher une société de gardiennage. Oui ou non? Ce qu'on appelle les garde-fous, protection. Donc dans, pour notre iman aussi, on a besoin des garde-fous, on a besoin de protection. Les ulama nous disent que il y a différents cas de figure. Chacun y connaît sa situation. Chacun y connaît son niveau de iman, chacun y connaît son niveau de faiblesse. Il y a des gens, qu'est-ce qui, la question qu'on se pose, pourquoi on doit faire tawbah? Pourquoi devrais-je faire tawbah? Pourquoi devrais-je me repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala? Alors c'est facile de dire, parce qu'Allah c'est notre Rabb, mais tout le monde connaît ça. Hein? Je ne vais pas vous le rapporter. Tout le monde connaît. Même ceux qui ne sont pas musulmans, eux aussi, ils adorent le même Allah. Hein? Ils adorent Allah même. Eux aussi, ils savent qu'Allah les voit, et parce qu'on est un Seigneur, et un jour on doit retourner vers lui. Mais qu'est-ce qui fait que on se dit que non, il faut que je me repente? Eh bien, parfois il arrive, chez certaines personnes, il arrive que je vais mourir. Ça arrive quand ça? Cette pensée-là, ça arrive quand? Quand on assiste à un janaza. Je vais mourir. D'accord? Cette pensée que je vais mourir, ça peut arriver lorsqu'on a la mort d'un proche. On a à vivre la mort d'un proche. Cette pensée-là, ça peut arriver lorsqu'on est passé tout près d'un accident. T'es ratamorté. Oui ou non? On était sur la 4 voies, la route des Tamarins, 160 km/h. Le frein ne marche plus. C'est Allah même qui sauve. Ce sont des moments clés de notre vie et chacun y vit ces moments-là différemment. Mais chacun les vit. Et on se dit que la mort peut me prendre. N'importe quand, n'importe comment. Et je peux vous dire, je peux vous assurer, et j'avais envoyé la vidéo à quelques frères ici, n'importe quand, n'importe comment, la mort peut nous prendre. C'est pour ça, la première, si on a conscience qu'Allah va prendre ma vie, que je vais mourir, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Là, c'est ça le rajout le plus important. Je ne sais pas quand est-ce que... Il y a deux équations. Il y a une équation qui est résolue, je vais mourir. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même les athées, ils sont d'accord que tout le monde va mourir. D'accord? Et deuxième équation, qui n'est pas résolue, quand est-ce que je vais mourir? Ça, personne ne le sait. D'accord? On trouve des solutions pour retarder, soi-disant, notre mort, ou en tout cas pour entretenir son corps physique et son corps psychique pour que la maladie ne nous atteigne pas, pour retarder notre mort. C'est ce que Steve Jobs, non? C'était lui-même, il avait trouvé certaines techniques comme ça. Mais la mort, lorsqu'elle arrivera, elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver demain. Combien de personnes en apparence sans problème sont décédées? Il y a même la même dans la politique, il n'y avait pas un responsable du FN là. Subhanallah, d'ailleurs ça a fait la joie de beaucoup d'autres candidats apparemment. Un candidat du FN dans une circonscription, on l'a retrouvé chez lui mort. Combien de projets il avait? Subhanallah. Combien de promesses il avait déjà faites déjà aux gens? Personne ne le sait. Deux vidéos de deux jeunes. Une vidéo et un article, pardon. Une vidéo d'un jeune dans un pays, pas à La Réunion, et un article d'un jeune dans un autre pays non plus, pas à La Réunion. Cette vidéo, elle montre, et vous pouvez voir, malheureusement, comme il y a la musique, je ne peux pas vous la montrer dans la masjid, ce jeune, il est en train de rouler sur la 4 voies. Il roule sur la 4 voies à 180, il fait la pousse. Vous connaissez ça? Il fait la pousse à 180 km/h. Le problème, c'est qu'il est fier de ça. Il veut montrer à ses amis peut-être, Wallahu a'lam. Donc il filme, avec son téléphone portable, il est en train de filmer. Et en même temps, on ne peut pas pousser comme ça, il faut faire bouger. Donc il met de la musique. Il met une musique, et une deuxième musique qui passe, et une troisième musique qui passe à fond dans la voiture. Il ne parle pas, on n'entend personne parler, on entend juste la musique, et on voit le téléphone fixé sur le cadran, sur le compteur de la voiture. 180, 160, 170, 180, 160, 170. Il fait nuit. Il y a des voitures qui viennent en face, d'ailleurs on voit des phares qui arrivent en face. À un moment donné, c'est le crash. On n'entend plus rien. On entend juste un bruit sourd. On entend le crash. Plus de musique. Plus d'images. Plus rien. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans un pays.
et il y a un alim qui avait posté la vidéo, que j'ai reçu cette vidéo. Subhanallah. Allah l'a pris dans son péché. Après, comment Allah va le juger, c'est Allah seul qui sait. Le but n'est pas de montrer le défaut ni le péché de la personne. Le but de ça, c'est de prendre ibrat, de que chacun donne et prendre conscience que ça peut nous arriver. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Qu'Allah peut nous prendre dans le péché, c'est ça. On est en train de faire zina, qu'Allah prenne notre âme. Imaginez juste. Imaginez juste qu'on est en train de faire zina et Allah prend notre âme là. Devant Allah, déjà devant Allah, quel visage on fera, mais quel déshonneur pour nos parents qui sauront dans quel état on a été retrouvé. Donc là, ça c'est une vidéo qui a été prise et que j'ai pu partager avec certaines personnes. Et un autre article, hier, ce qui s'est passé hier, dans une masjid, salatul asr, un jeune y arrive. Il fait la salatul asr avec jamaat. Et dans la salat, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec Allah, oui ou non? Il parle avec Allah dans la salat. Et après la salat, il lit le Coran. C'est Allah qui le parle. Oui ou non? Parce qu'on dit, si tu veux parler avec Allah, fais namaz. Et si tu veux savoir ce qu'Allah te dit, lis le Coran. Eh bien, il lit le Coran. Et dans la masjid, devant les gens, Allah prend son âme. Subhanallah. Rahimahullah. Alors, laquelle des deux morts on aimerait avoir, mes frères? Un, Allah l'a pris dans son péché. L'autre, Allah l'a pris dans ta'a, dans une bonne action, dans une action pieuse. Les deux seront jugés selon leurs conditions devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le moment de débattre de ça. Mais c'est juste pour nous dire qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver. Un mois, deux mois, subhanallah. Sur Twitter, il y avait une fille, une jeune fille qui était malade. L'année dernière, le 12 juillet, elle a envoyé Allahumma ballighna Ramadan. Vous connaissez ce doigt-là, tout le monde dit. Hein, Rajab. Oh Allah, fais-nous parvenir jusqu'au mois de Ramadan, 12 juillet. 12 juillet, ce n'était pas Ramadan encore. C'était, si je ne me trompe pas, au début de août, Ramadan, hein? Bien, fin juillet. Elle est morte avant le mois de Ramadan. Elle était malade, elle est morte avant le mois de Ramadan. Combien parmi nous, dans ce monde, ou même à La Réunion, avons lu ces doigts? Ou bien nous lisons même, ou bien nous espérons, t'es Ramadan, là, nous a fait telle chose, tel projet, carême, telle chose. Et combien parmi nous parviendront à ce mois? Allah seul le sait. Donc mes frères, c'est à prendre, prendre conscience que nous pouvons mourir, qu'Allah peut prendre notre âme à tout moment. Ça, ça peut nous faire prendre conscience qu'il faut se repentir. Et il y a d'autres personnes que malheureusement, ça ne nous atteint pas. Arrive la mort d'un proche, ça ne nous atteint pas aussi fort. Eh bien, pour ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des occasions. On va attendre peut-être 15e Sha'ban. Ou bien on va attendre Ramadan, les nuits impaires du Ramadan. Ou bien on va attendre un bayan dans ces nuits-là qui va nous dire, parce que dans le mois de Ramadan, les cœurs sont beaucoup plus attendris pour écouter la parole d'Allah, pour écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va attendre ces moments-là pour se repentir. Donc ça aussi c'est d'autres personnes qui sont dans ce cas. Et d'ailleurs dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup les bayans sur le paradis. Oui ou non? C'est Jannah. Et là on a envie du paradis. Donc on va demander pardon. Pourquoi? Parce que dans un verset du Coran, Allah dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ » Qui n'espère pas le paradis? Personne. Tout le monde espère le paradis. Tout le monde veut le paradis. D'ailleurs, dans notre langage, même en JT, c'est un endroit paradisiaque. Oui ou non? C'est un petit coin du paradis. Tout ce qu'on trouve de bien, de beau, d'excellent, où on aimerait rester, on aimerait habiter pour quelques jours, on aimerait posséder ces endroits-là, c'est paradisiaque. Ça prouve bien, notre inconscience nous dit que, en vérité, pour chaque être humain, l'endroit, le lieu par excellence, c'est le paradis, c'est Jannah. Donc tout le monde veut le paradis. Mais pour le paradis, Allah il nous donne une condition. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Accourez vers le pardon de la part de votre Seigneur. وَجَنَّةٍ. Et ensuite le paradis. Dans le placement des mots, il y a مَغْفِرَة avant, رَب au milieu et Jannah après. Les ulama nous disent que pour arriver jusqu'au paradis, il faut passer par le مَغْفِرَة.